La première fois qu'il est venu me voir, c'était justement pour parler de sa situation. Lui qui a été un maçon, qui a été aussi dans l'armée, il s'est retrouvé, parce qu'il est devenu plus faible, sans travail et sans quoi que ce soit. Et j'ai dit, bon ben, nous sommes en train de préparer un projet. Nous allons voir ce que nous pouvons faire. Et alors, Dakio s'est embarqué avec nous. Moi, je suis venu à la porte de la maman. Je suis venu à la maison. Il y a des montagnes qui pleurent, des cascades innocentes, et moi qui ne dis rien. Et il y avait un moment, mon épouse avait une maladie sexuellement transmissible. Elle m'en a parlé, on a fait la consultation, donc ils ont prescrit des produits, et l'infirmière m'a dit ah, que moi également je dois me traiter. Et effectivement, il y a un moment, j'avais des boutons sur le sexe. Mon épouse souffrait sérieusement. Et on a fait beaucoup de cliniques. L'hôpital n'a pas pu, et jusqu'à elle avait des signes au niveau du côté là. On appelle le zona. Et tous les voisins n'avaient même pas donné vie à mon épouse. Parce que selon les gens, que c'est une ceinture. Et si ça se croise, c'est fini. Le premier infirmier que j'ai amené pour voir mon épouse, quand il est venu voir la plaie, il n'est plus revenu jusqu'à aujourd'hui. Donc j'ai fait de clinique en clinique et tout ce que j'avais comme bien, j'ai tout vendu pour traiter mon épouse, mais zéro. C'est jusqu'à ce qu'on a fait le test qu'on a su que c'était le VIH et elle a commencé le traitement. Et c'est ainsi notre dernier enfant aussi souffrait également. Et quand on a fait le test, on a trouvé que lui, il souffrait également du VIH-Sida. Et l'enfant, on l'a mis aussi sous traitement. Il y a des vallées où dans
les anges au reflet bleu. J'ai connu ma statue sérologique en 2005. Et c'est après avoir suivi un séminaire sur le VIH que j'ai pris la décision avec mon épouse d'aller faire le test. Ça s'est avéré que c'est positif. J'avais un ami avec lequel je vivais. Nuit et jour, nous étions ensemble, on travaillait ensemble. Et avant même de me marier, on passait même la nuit ensemble, on mangeait, tout, tout, tout. Je ne l'ai pas caché après les résultats, depuis qu'il a su que nous sommes séropositifs. Jusqu'aujourd'hui, il n'a pas mis pied chez moi. Hey! Thank you! C'est quoi ça là? Ça veut dire quoi? Je suis séropositif. Takio! T'as la maladie! Pas noté. Et les gens ont commencé à nous abandonner. La stigmatisation a commencé comme ça. Ils ont tous fui nous laisser. Et c'est ça même qui a marqué beaucoup mon épouse. Et elle a maigri. Jusqu'à moi-même, il y a un moment, j'ai vraiment failli perdre l'espoir. Mais qu'un amour s'en aille, ne fait que je renonce à Dieu. Si vous voyez mon épouse aujourd'hui, mon vieux, elle est en forme. Ça, c'est une histoire. Hein. Ah oui? Dan, tu seras témoin alors. Ok. Ici, là, les gens n'ont pas bien compris la situation séropositive. Les débuts, vraiment, ce n'était pas facile. Mais avec le temps... C'est vrai, au début, elle était découragée, que voilà, c'est la mort qui est là. J'ai dit non, reste tranquille, enlève de ta tête le problème. Hein? Ça va passer. Dieu va intervenir. Comme moi, je ne l'ai pas rejeté, ni mes parents, il n'y a pas de problème. J'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, quelles que soient les choses, c'est toi seul qui as la solution. Donc, depuis ce temps, je n'ai même pas dans ma tête que je suis infecté. Pourtant, le virus est là. Il y en a même qui se demandent s'il a déjà été sidéré. C'est-à-dire qu'ils se demandent s'il a vraiment été malade. En voyant les parents, ils sont heureux. Nous aussi, nous sommes heureux. C'est comme si rien ne s'est passé. Moi, me servir, puis, ou bien on va manger ensemble. Mais chérie, on mange ensemble. Voilà, bien, on va manger ensemble. Comme Jésus est là, c'est lui qui est notre consolateur. Un homme ne peut pas vivre chaque fois dans la joie. Souvent, il y a la tristesse, mais on surmonte ça par la grâce du Seigneur. Wakar fa yin sakan bam asanya ma mikit mam sunu han sami yin kot mam sakal sila bel sid mam atim pam sun lafi wala songra zin sang ya libo ya ligre songra ne ton si tu dois mourir, c'est pas la maladie qui peut t'emporter. Si tu meurs, c'est pour dire que ton jour était arrivé. Parce que moi, je peux dire que j'ai fait presque un an à terre. Je volais même pas 30 kilos. Je faisais les 4 pas. Mes histoires d'avant, de quand j'étais sans moi, me parler d'un amant. Un témoignage comme celui-ci fait que tout le monde comprend que le sida, c'est une maladie. Ce n'est pas la mort. Il y a beaucoup que nous connaissons qui sont morts il y a longtemps. Il y a des gens qui meurent accidentellement. Il n'y a pas deux morts. Tu es mort, tu es mort. Mais ça, c'est une maladie. C'est comme toute autre maladie. Mais on soigne. C'est le courage aussi. Dire que la maladie, là, c'est comme le palu. Ou soit simple mot de tête, ça va passer.
C'est vrai, les gens disent qu'il n'y a pas de médicaments pour le VIH. Mais les rétroviraux, il y a des gens qui prennent ça, ils reprennent leur forme. C'est vrai, il y a le virus. Mais ils vivent longtemps avec ça s'ils acceptent la maladie. Si toi, tu dis qu'il n'est rien là, et tu mets dans ta tête que ce n'est rien, tu vas voir, tu vas vivre positivement. Et tu manges sans problème. Tu échanges avec les gens. Il ne faut pas t'éloigner des autres. Et ce n'est pas quand on a le sida seulement, il faut fuir la personne. En réalité, tout dépend de la personne, de son attitude et des choix de vie qu'elle fait. Ce que tu prends positivement pour ta vie là, c'est ça qui te donne la santé de ton corps. C'est gentil, hein? Nous devons tous avoir la même vision dans la lutte contre le VIH. Il y a des vallées où dort des songes aux reflets bleus, mais qu'un amour s'endort. En tout cas, moi, je suis vraiment engagé actuellement. Pour quelles raisons? Que moi-même étant concerné, c'est la moindre des choses. Il ne faut pas rester dans l'ignorance. Parce que le sida, c'est une maladie. On peut se blesser, c'est une maladie. On peut avoir une crise, c'est une maladie. Mais si on reste dans l'ignorance, on peut facilement perdre la vie sans même se rendre compte. Ou bien se préparer à une grande souffrance sans retour. Donc, pour éviter de tomber malade, vaut mieux faire le test, même si tu ne sens pas de signes. Parce qu'une fois que tu fais le test et tu connais ta sérologie, ça te permet de prendre la vie en avance. Depuis moi, j'ai connu ma sérologie. Par exemple, si je suis blessé et le sang coule, tout de suite, je sais comment faire pour ne pas transmettre le virus à ceux qui m'entourent. Avec mon épouse, quand nous faisons les rapports sexuels, on se protège. Mais si je ne savais pas, et le virus, il détruit les CD4 jusqu'à ce qu'il ne me reste pas beaucoup comme mon épouse, j'allais être sous traitement. Mais actuellement, je ne suis pas sous traitement, mais je suis en forme. Et si notre enfant est infecté, je peux dire que c'est parce qu'on n'a pas fait le test tôt. Si on avait fait le test tôt, et on a su que madame est infectée, ça allait éviter de contaminer l'enfant. Parce qu'en ce moment, la femme est suivie à la maternité et il y a des produits qu'on donne aux femmes pour éviter de transmettre le virus au bébé. Où sont les mirages quand ils ont disparu? Qui les tiendra encore? Tu l'homme ne tiendra quand tu t'en es ma brogue. Un manque de l'orange, mais ce que je veux dire, c'est que je veux dire 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 ko bisim tiuga nase le wat na nyakin le singe ketin ya goma to nyama mi na man to tun song mam mi ken song wat man dogo bim ken yek di ma dem de ne sama ye avant mam dogo on po kan wan zaru tum chenge bre ko mam ti bisi tum mam dikke tere song da biga ro ma wakate ti ma ga bi da ton om sise mam dikke na biga mi hen to kan sabala ba ko ya le tim le rikiti ma kelen ko mam. Et un point big, n'entend une semaine. Semaine, en tatima, en sao, t'as cassé au bim d'une lobe. Norma d'arbre, la maman d'or 13h, 15h, balle de 16h, bim smokouni. Après une pourrie, maman tient un télé bim smok, pas de cotri chiro. Big, n'y en entend yum. Pas d'amour sans toi, j'ai pas envie de tes combats, je voudrais bien changer ta route. Mais je suis là, le cœur qui bat, qui t'entend plus, mais qui t'écoute. Chaque année, j'ai fait le test de tous les enfants. C'est un seul qui est séropositif. C'est notre dernier garçon. Il reste calme, il reste serein. Et il ne baisse pas les bras. Il ne se complexe pas non plus. Et à cet effet, lui-même, il vivait exactement comme tout le monde. On n'avait pas de problème avec lui. Et quand tu le vois, tu ne sais pas s'il est malade. Il fait face à toutes les difficultés de la vie auxquelles font face tous les êtres humains. Mais il est tout le temps en train d'essayer de trouver des solutions à la situation de sa famille. Je sais que c'est la nuit qui vient, avec ses ombres.
plus aigri et quelque chose de moins. J'exhorte les jeunes qui ne se sont pas encore engagés dans le mariage à faire l'abstinence jusqu'au mariage. Et nous qui sommes mariés, de rester fidèles dans le couple. En réalité, M. Dakio est quelqu'un qui a toujours été ouvert à témoigner à visage découvert. C'est un de nos meilleurs agents et partout où nous allons, nous l'amenons pour témoigner et pour aider justement ceux qui ont peur, ceux qui résistent ou bien ceux qui stigmatisent à comprendre. Je peux dire aux gens j'ai le VIH, je n'ai pas honte de le dire parce que pour moi, ce n'est pas une maladie. Comme... Non. Et voilà pourquoi... Lors de la caravane 2007 avec le Credo, j'ai témoigné 4 fois dans 4 villes différentes. Quand on fait par exemple les caravanes, il va photo à l'appui pour montrer la différence qu'il y a eu dans sa vie. Ne regardant pas ce qu'il a subi, il était devenu un encouragement pour les autres. En 2008 également, j'ai témoigné. Et il y avait les agents de R&D qui ont enregistré. C'est une épreuve comme toutes les autres épreuves. Le jour même que je suis allée prendre les résultats, si j'allais montrer ça à un de nos responsables, de la manière qu'il m'a répondu ce jour-là, sincèrement dit, ça pouvait m'amener directement à ma mort. Il a dit qu'ils n'ont rien à faire pour moi, hein, que d'aller voir les médecins, et ils vont me soutenir en attendant la fin de ma vie. Quelqu'un qui vient d'apprendre les nouvelles et on va te parler comme ça. Bon, si ce n'est pas Dieu. Sincèrement dit, en ce moment-là, j'avais énormément la foi. Donc c'est ça même qui m'a soutenu. L'information que la société donne, le décourage, écoutez, c'est comme si on précipitait la mort de la personne. Or, je crois que cela n'est pas de la volonté de Dieu. En tant que chrétien, ma foi m'a beaucoup soutenu pour faire face donc à son statut sérologique. Donc j'exhorte vraiment les gens à faire attention, à éviter cela. Parce que si tu n'as pas traversé l'eau, il ne faut pas se moquer de celui qui se noie. Il faudrait qu'on les aime davantage parce qu'ils sont dans une situation de faiblesse. Et que nous fassions en sorte qu'ils soient fortifiés, que nous les exhortions. Ce qu'ils peuvent faire, c'est de leur donner leur amour. Le sida, c'est contagieux dans certaines conditions seulement. La transmission n'est pas comme vous le croyez. Ce n'est pas en travaillant ensemble, en mangeant ensemble, que je vais vous transmettre le VIH. Non, non. Finalement, ceux qui me fuyaient beaucoup, bon, viennent vers moi maintenant. Actuellement, ils m'acceptent. Et où je suis vraiment dépassé, c'est surtout au niveau du service, au CEPEX. Mais vraiment, je vis l'amour là-bas. Mais je suis là et je t'écoute. Quand les soleils d'appel, tu ne peux pas savoir. Je connais M. Dakio depuis 3 ans au moins. Et je le connais pour être un monsieur très dévoué, très engagé. Il est bien armé pour conseiller, accompagner tous ceux qui viennent pour faire leur test de dépistage et qui, peut-être dans certains cas, se trouvent dépistés positifs. Lui et son épouse vivent correctement. Ils partagent la vie avec les autres membres de la société. Et bon, on est toujours en groupe. Il n'y a aucun problème pour nous. Ce sont des gens qui vivent de façon simple au milieu de nous. Et Dakio Ruben, particulièrement, est quelqu'un qui est engagé au niveau de l'Église. Par rapport à ses relations avec les autres, mais il n'y a aucun problème. Il est un homme qui cherche toujours à
apporter l'apaisement lorsqu'il y a des tensions. Il ne sera pas de ceux qui haussent le ton pour envenimer la situation, mais plutôt ceux qui cherchent à régler la situation. Il rit avec nous, il joue avec nous, il chante avec nous. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui nous sépare en réalité? Il n'y a rien. Il est accepté de tous. D'aucuns même ne se préoccupent pas du tout de son état. Non? Des fois, eux-mêmes, ils me disent que, mais eux-mêmes, ils oublient que je suis une PVVIH. On ne leur a pas demandé où tu as attrapé ça. Hein? C'est certainement à cause de ceci ou de cela. On sait qu'ils sont malades. Et tout ce qu'ils veulent, c'est d'être guéris, ou en tout cas d'être secourus. Donc le reste là, ce n'est pas vraiment utile. Une fois que ça arrive dans le foyer, acceptez-vous et ne cherchez pas à savoir d'où est venu le virus. Je donne un exemple. Moi et mon époux, depuis qu'on a su, il n'y a jamais eu de discussion entre nous. Puisque nous ne nous sommes pas accusés l'un et l'autre. Même si on va faire par là, c'est sur autre chose, pas sur ça. L'amour qui a existé entre nous depuis longtemps, on manifeste le même amour entre nous sans regarder à ce que les gens disent. C'est fini. C'est un homme qui est beaucoup courageux. Ça, je l'ai remarqué. Moi, je peux dire que il y a l'espoir parce que mon exemple, à mon jour, si je n'ouvre pas ma bouche pour dire à quelqu'un la manière que je suis, la personne ne peut savoir. Le travail que moi je fais, par la grâce de Dieu, je peux dire que quelqu'un même qui est bien portant ne peut pas faire ce travail-là. Donc, ce n'est pas une fatalité si tu as ça. Rien n'est impossible à Dieu, dit la parole de Dieu. Première chose à faire, il faut faire confiance à Dieu et deuxièmement, tu suivre ce que les médecins t'ont dit. Si humainement aujourd'hui, il n'y a pas de solution, Dieu a une solution. Donc en tout cas, je les encourage toujours, pouvoir rester toujours dans la joie, dans l'amour. Quand ils vivent seulement, ils n'ont qu'à remercier Dieu pour cela, pour leur vie. On dit souvent que, au fond du désespoir, il faut de l'espoir. L'espoir est permis parce qu'avec les ARV et avec le suivi médical et tout cela, on peut vivre dans les conditions de vie les meilleures. Le premier traitement qu'on m'a donné jusqu'à nos jours, c'est avec ça. Jusqu'à nos jours, ce qui continue à nous dire de vivre positivement et faire très attention à ne pas contaminer les autres aussi. Et pour avoir la santé aussi, il y a l'alimentation qu'il faut contrôler. Si je l'ai accepté avec ma famille faire ce témoignage, c'est pour dire jusqu'ici le Seigneur nous a secourus et encourager mes frères de ne plus dire que j'ai le VIH, je vais me cacher. Non, avec le Seigneur, il n'y a pas de désespoir. Quand on parle des choses de manière intellectuelle, c'est pour simplement informer les gens. Mais les témoignages ici, là, ça montre que c'est une réalité. Et moi, je pense que cette réalité-là peut être vécue par un grand nombre de personnes. Comme Jésus est là, c'est lui qui est notre consolateur. La maladie n'est pas une fée en soi. Ça ne me dit rien. Parfois, j'oublie ça même donc. On peut me dire tout ce que l'on voudra, on peut me fuir et se moquer de moi, mais je sais que c'est vrai, je sais que c'est vrai. On peut me dire tout ce que l'on voudra, on peut bien rire et me montrer du doigt, je sais que c'est vrai, je sais que c'est vrai. C'est
toi le seul chemin, sans toi je serais perdu. Les autres ne mènent à rien, je le sais, je l'ai vécu. Tu m'as tellement aimé.